Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour le deuxième jour, donc lundi. Là on est réveillé, merde, j'ai pas ma montre, il est 6h10 à peu près. Ça résonne, je suis dans la salle, on va sortir. Il est à peu près 6h10 et il y a du soleil, ça va, mais il fait un petit peu froid quand même. Donc on va aller petit déjeuner et je vais vous montrer tout ça. Enfin, j'espère qu'il y aura un gros buffet parce qu'on a trop la dalle. Hier, on n'a pas beaucoup mangé hier soir. Je vais vous filmer tout ça. Donc voilà. Salut! On dirait on est dans une villa, genre. Donc voilà, là on a préparé les affaires, on a tout rangé dans les valises et tout. Et j'ai trop mal à la boue. Voici comment je suis habillée. Ah, c'est elle en train de vlogger. J'ai un kimono, mais je pense que j'ai changé parce qu'il va faire froid. Un débardeur comme ça. Avec un taille haute. Là j'ai des espadrilles mais je pense que je vais changer. Mettre des baskets. Salut. Hey. Nous nous pavanons dans les couloirs de l'hôtel. Donc ça y est, on est arrivé. Oh putain, la bonne. Oh non, il y a plein de trucs. Des pommes, des fruits. Ah ouais, putain, tous les jus. Eh hey, mais Astrid, il y a des potatoes. Non, pas trop healthy. Hein. Oh mon dieu. Oh là là, en fait, on peut avoir du salé comme du sucré et tout. On va bien bouffer comme des gros porcs à mer. Regardez, rien que d'avoir, ça me donne déjà envie de chier. Donc là, on va partir de l'hôtel. Je suis tout devant. Parce que le guide, il m'a dit de me mettre devant. Je pourrais vous filmer le paysage et tout. Coucou. Elles sont juste derrière. Donc là, on est arrivé dans un palais à quelque chose. C'est en Hollande, Pays-Bas, mais je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc voilà, super joli. En fait, le palais, ça, il s'appelle le palais de la paix. Et regardez, l'horloge, elle est grave belle. Elle est noire et dorée. Donc voilà. Astrid, après, t'as dit on va où? On va à la plage. Ouais. Et croisière aussi. Ouais. Pour visiter les ports. Et ensuite, on va aller à l'usine de diamants pour voir les diamants et tout. On va essayer d'envoler. Mer du Nord. Et il est très joli. Très, très joli. On va descendre ici. On est arrivé à la plage. Mais on va pas se baigner parce qu'on a pas de maillot de bain. Et je pense que l'eau, elle est froide. Donc voilà. Nos amis les fratés. Tienen un restaurante delante la CIA. La playa. C'est Wang Hai. Hingang Wang Hai. Donc voilà. On est à la plage. Je le mets. Mal aussi, j'ai remis mes lunettes de vue. Piteng, le soleil il me crasse les yeux. Me pète les yeux. Regardez là, les bouddhas partout là. Regardez cette mouette, comment elle est énorme. Au début, j'ai cru que c'était une fosse. Vas-y, vas-y, approche là, je te filme. Non, mais elle est vraiment. Vas-y, dégage. Elle mange du dégage. Il a l'air super doux le sable. Oh, c'est de la boîte. Donc là, il y a une mouette. On va essayer de l'approcher en douce. Ah, elle a chié, ça me dégoûte. Donc alors là, on est dans un restaurant chinois et c'est tout vide. On est les premiers parce qu'il est encore fermé en fait, mais voilà. Vu que comme on doit absolument manger, bah voilà. Là, on est à la... On a vu sur la mer. C'est là. Je vais vous montrer après ce qu'on mange. J'ai pas faim parce qu'on a mangé hyper beaucoup au petit déjeuner. Oh, frappé.
rien. Bon app. On est dans le bus, dans le car, et on attend tous les autres. Ouais, regardez, j'ai fait une tresse à Astrid. Astrid aussi, elle vlog. Il y a toute la mif derrière. Non, je rigole, hein, pour ceux qui croiront que c'est vraiment ma famille, non, c'est juste parce que c'est des Chinois, tu vois. Donc on est arrivé, en fait, on n'est pas directement allé à l'usine des diamants, mais on est passé par un endroit où il y a beaucoup de moulins. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça pue la merde dehors, putain. Ça sent le chocolat un peu, non? Chocolat périmé. Oh, il y en a plein. Regardez, il y a une... Ça s'appelle comment? Une cantonne? Avec... Non, c'est les bébés avec ça. C'est la daronne avec ses cantons. Ah, daronne avec ses cantons. C'est trop mignon. Mais c'est un canard, non? Bah, je sais pas. Astrid, qu'est-ce que tu fais là? Il y a tête chauvée. Hey, mais ils ont de la moisissure sur le dos. En fait, les spécialités ici, c'est le fromage, le chocolat et le moulin, c'est ça? Le fromage, le chocolat et les moulins. En fait, les spécialités ici, c'est... Et l'odeur aussi, de merde. Et du coup, ici, il y a les trois. Donc, voilà. Les gens doivent me prendre pour une grosse touriste à me filmer, mais bon, c'est pas grave. Oh non! Oh, je peux pas les trop. C'est une chèvre. Attends, on mange d'abord les chèvres. Elles sont trop mignonnes, les chèvres. Oh, elles sont trop mignonnes. Oh là là. Oh non, elle est trop mignonne. Tiens, attends. Come here. On s'en va, je t'ai dit. La pauvre vient. Oh non, elles sont trop mignonnes. Oh, mais oh non, regarde, il y en a une qui court au galop. Elle a l'air de... Oh non, elle est trop mignonne. Mais moi, je veux une chèvre. C'est mieux qu'un chien. En plus, ça donne du lait. Oh là là. Oh non, je peux plus. Je suis allergique. C'est pas grave. Je vais la bouffer, regarde. Oh, elle est trop mignonne. J'ai envie de lui faire un gros câlin. Regarde, faut lui donner de l'herbe. Viens, petite bitch. Viens, fais une photo. Tiens, allez, tu manges de l'herbe, toi. Manger, c'est gratuit. Viens, fais une photo. Viens, toi. La poule. Ah, elle est trop belle. Elle est belle. Oh. Elle est black. Black hard. Elle est black. Allez, viens, elle a fait pas ta misto. Amandine, elle a donné sa place à la chèvre. Elle est trop cute. Un des clangs high. Elle est montée carrément. Attends, je vais me mettre. Attends, je vais aller. Ah. Qu'est-ce? Oh, la pauvre. Ah, t'as ça pas pris à se lever de la. Donc là, on est dans une petite usine à fromage, donc c'est comme ça qu'ils le fabriquent et tout. C'est grave. Et l'autre côté, on peut acheter des fromages. Il y a plein de trucs, plein de fromages. On dirait des babus belgiens. Donc, à ce qui paraît, en fait, ici, le cannabis, eh ben, c'est illégal. Le bon shit sans mer. Le bon cannabis. On a le droit de filmer, mais je pense donc je vais filmer tout ça et on va voir comment il taille les diamants et tout. Il nous a expliqué leur brillance et en fonction de leur façade et tout. Enfin bref, on vous filmera tout ça. Et j'ai acheté ce collier tout à l'heure. Donc là, elle nous a expliqué comment les diamants, enfin les différentes étapes de polissage d'un diamant, les différentes catégories aussi. Donc voilà, on va mettre un diamant. Et là, il y a les polisseurs. Ah, c'est vraiment petit.
Ah oui, regarde, j'ai fait les photos. Là, il nous montre le diamant. Ah, il y a le diamant. Ok. Non, t'es trop lourd, là. Tout se fait. Donc là, le monsieur, il travaille des petits diamants comme ça. Et donc là, il y a différentes machines avec lesquelles il travaille sur les diamants. Les disques sur lesquels il les polisse, je sais pas. Là, il y a des bijoux. Ah, c'est déjà taillé. Il y a 21 000 balles. C'est tout ? C'est tout ? Oh mon dieu. C'est trop beau. Donc là, on sort de l'usine. Enfin, on a regardé un peu comment c'était, le magasin. Les prix me sortent par les trous de nez. Parce que c'est vraiment cher. Bon, bah, si vous achetez une montre, en fait. Voilà, si vous voulez des Rolex. Regardez, c'est ici qu'ils fabriquent les montres. C'est super minutieux, putain. C'est la fabrication des. Ah, c'est officiel retailer. On sent que c'est des vitres doublées. Coffre-fort, il y a beaucoup de montres Rolex là. Donc là, c'est fini. Après, on va à la croisière. Et après l'hôtel, normalement, on pouvait aller dans les quartiers chauds. C'est là où il y a les prostituées, le cannabis et tout. Bah, ce qui paraît, c'est illégal en Hollande. Désolée pour ma tête, putain. Bah, je vous retrouve juste après quand j'ai quelque chose à vous dire d'intéressant. Donc là, on est à Emma. Et il y a énormément de plus de trucs qu'en France. Regardez tous les maquillages. Alors qu'en France, il n'y a pas tout ça. Il y a de la nourriture et tout. Regardez tout le maquillage, s'il vous plaît. J'ai acheté des petits bonbons à la pastèque comme ça de chez Emma, qu'on ne trouve pas partout. Et à la pêche. Donc, j'ai goûté à la pêche, c'est super bon. Donc là, il y a l'usine Henneken, la bière Henneken. Et à ce qui paraît, c'est là où bah, toutes les bières sortent en fait. Enfin, c'est. Henneken, c'est des Pays-Bas. Du coup, bah, voilà. Dans le car. C'est dans un bateau comme ça en fait. C'est pas un bateau de croisière, hein. c'est sur une sorte de fleuve. Donc voilà, fleuve. On va rentrer. Attends, on va tomber à ça, tu le sens. Même moi j'ai peur. Ils nous ont donné des oreillettes. Voilà où on est, et derrière, après on pourra sortir pour voir. Donc là, ils nous ont donné des écouteurs zéro, ça marche rien du tout. Du coup, bah. J'adore le concept. Comme ça ? Ouais. Là, on est sur le bateau avec toi. Bon là, un peu trop le moteur, mais ça va quoi. Ça va. On croit que c'est quelque part par ici que nos étoiles contraires, ils ont filmé quelques scènes, genre la meuf elle avait pleuré là parce que truc. Et quand ils sont rentrés c'est dans la. Cette ville, mais peut-être pas le même. Ouais, même endroit. Ouais. Ah mais j'avoue c'est trop ici en plus. Hein. C'est trop les mêmes bails. Genre ils montent et tout, après ils ouvrent la porte, ils voient que c'est le bordel. Donc comme vous pouvez voir en fait, si vous avez soif, vous pouvez directement boire dans l'eau. Parce que c'est très bas en fait, on a les pieds dans l'eau. Vous pouvez également toucher les briques pour avoir un petit goût de briques amsterdamiennes. C'est très cool, et on vous retrouve après. Regardez. Ah, c'est un musée du cinéma. C'est un immeuble qui a une forme de bateau, comme vous pouvez le voir. Ok,
près, il est presque 19h. On a fait à peu près 1h30 de bateau. 1h15. Et je pense qu'on va rentrer à l'hôtel pour déposer les affaires et tout. Après, on va ressortir pour manger. Bah, je vous retrouve après. On va se garer. Garer, garer là. Regardez les hôtels, c'est super joli. J'avais jamais vu des hôtels comme ça. C'est pas des hôtels normaux, enfin c'est des hôtels genre c'est des... Il y a 3 étages seulement. On verra à l'intérieur si c'est aussi beau qu'à l'extérieur. Regardez des voitures aussi. Voitures de collection, je crois qu'il avait dit le monsieur. Regardez comment c'est vintage à l'intérieur. Waouh. Oh c'est super cocooning. Oh là là, mais moi laisse tomber ma tête, c'est plus potable. Regardez nos clés, elles sont trop jolies. C'est des sabots. Regardez notre chambre. Il y a 4 lits en fait. Comme ceci. C'est ici et je vais vous montrer la salle de bain. Where is the light, please? Oh mon dieu, mais attends, il n'y a pas de rideau. Je hurle. Non. La lune. Oh non, regardez, on a une vue sur quoi? On a une petite terrasse. J'adore. Regardez, il y a des vaches. Vas-y, faut que je remonte avec toi. Astrid, je t'ai retrouvé tout au fond là-bas. C'est trop beau. Je pensais qu'ils avaient tout. J'adore. Quand on rentre. T'es trop mignon toi. Oh il est cute. Une fois qu'il y a un chat gentil dans la vie. T'es trop mignon. Il est beau en plus. Oh je peux pas. Il est trop cute. Bye. Bye bitch. Suck my ass. Oh non je rigole. Suck pas my ass. Donc là, on va partir pour aller manger au restaurant. Mais il n'y aura pas tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui restent à l'hôtel pour manger. Et nous, on va manger des restos. Voilà, mais sinon, on va manger au restaurant. Et. Ah, mais il y a ma pote qui vient. Je la reconnais avec son sac rouge. Elle, c'est ma voisine de car. Et elle parle pas trop français, mais elle est super gentille parce qu'elle me propose à manger et tout. J'adore. Je sais pas si elle vient parce que tout à l'heure elle m'a dit qu'elle venait pas. Bon, on verra. Soir extérieur, vous essayez, mais pas dans l'hôtel. Pas extérieur, pas dans le local, parce que sinon ça va être un peu. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, oui. Mais s'il y a personne, c'est dangereux. À moins que tu veux tester du cannabis. Mais le cannabis, c'est que ici on peut essayer. Que ici on peut acheter, on peut consommer. Dans l'autre shop, dans l'autre pays, on peut pas. En France, c'est illégal. On est dans un endroit légal pour fumer du shit. Donc là, il est 21h21 et fait un verre pire. Hein. À ce qui paraît, on est dans le plus célèbre restaurant chinois des Pays-Bas. Donc voilà, tout le temps chinois. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on mange en fait. Donc là, on a commandé des huîtres, je crois, et elles ont l'air très pleines. Donc voilà, on a commandé aussi ça. En fait, les plats, ils arrivent petit à petit. Donc ça y est, on a terminé de manger, on vient juste de sortir, et là... On va se promener, ça sent la weed, on va se promener dans Amsterdam un peu. Et voilà, c'est ça l'odeur de la weed. Mais j'arrive pas à trop, c'est tout petit, c'est tout fin. C'est normal, ils sont loin. C'est notre carouche de Amsterdam. Ouais, il est super gentil. Portugais. Donc là, on est sorti.